Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour la vidéo Colo Club. Je suis super contente de vous retrouver pour le nouveau thème puisque le tout en plume est terminé. Vous aviez jusqu'à hier 20h. Alors oui et non, hein. Si vous voulez participer pour ce thème-là, vous pouvez très bien poster votre colo sur Facebook après, il n'y a pas de souci. Donc j'espère que ce thème vous a plu, vous avez été encore pas mal à faire de super beaux colos. Donc voilà, ça me fait toujours super plaisir, sachant que même moi qui ai une sainte horreur des oiseaux, j'ai quand même fait mon colo. Donc comme quoi, ça peut vraiment nous sortir de notre zone de confort et nous faire aller vers des choses qu'on n'aurait pas fait de nous-mêmes. Donc cette fois-ci, il n'y aura pas de tirage au sort. Pourquoi ? Parce que je prépare un concours sur ma chaîne, donc le concours des 5000 abonnés. Voilà, donc je ne peux pas être sur tous les fronts, donc je vais sortir mon concours et une fois celui-ci clos, je reprendrai les tirages au sort. Donc pour le moment, il n'y en a pas, mais bon, voilà, c'est pas un drame. Je pense que le concours fera, j'espère, vous plaira. Vous verrez ça. Donc pour le prochain thème qui sera donc du 10 juin, donc aujourd'hui jusqu'au lundi 22 juin 20h, ce sera sur le thème... Vous n'allez vraiment pas être surpris, je vous le dis. Sirène et ses amis. Alors, attention, dans ses amis, je comprends tout animal marin, sauf les poissons. Pourquoi ? Vous le verrez dans un prochain thème. Bon, je pense que si vous êtes un minimum intelligent, vous avez compris. Mais pas de poissons. S'il y a une sirène et des poissons, ça marche. Mais pas un colo avec des poissons tout court. Mais voilà, soit sirène, soit dauphin, baleine, tortue, phoque, enfin ce que vous voulez, hein, je ne vais pas vous faire l'inventaire du règne animal marin, sinon on est encore là demain. Mais donc ce sera sur ce thème-là. Et oui, je ne pouvais pas m'en empêcher, désolée, hein, les sirènes, il fallait bien que je le cale quelque part celui-là. Et je me suis dit bah, que j'allais le mettre au mois de juin, il commence à faire beau, etc. Donc voilà, je l'ai calé ici. Alors, pour vous donner quelques idées parmi les illustratrices, donc je rappelle que les coloriages sont à faire dans des livres des illustratrices Anna Garlson, Maria Troll, Clara Markova, Rita Berman ou Johanna Basford. Sinon, les autres, en fait, ça ne fait pas partie du Colo Club. Et je rappelle aussi que sur Facebook, merci de publier uniquement vos publications en rapport soit avec le thème en cours, soit avec une des 5 illustratrices. Si vous me mettez un post avec des marque-pages Disney, je refuserai votre publication parce que sinon, ça partirait dans tous les sens et voilà, c'est pas le but, donc il faut vraiment partager que sur ça. Je rappelle ça parce qu'il y en a quand même plusieurs qui ont posté des trucs hors sujet, donc je vous le dis des fois que. Sinon, donc j'ai sélectionné des colos comme d'habitude. Alors, chez Anna Carlson, vous n'avez pas vraiment de sirène à proprement parler, mais vous avez pas mal de portraits qui représentent pour moi des sirènes. Donc, vous avez déjà celui-ci. Pour moi, ça compte, sachant que c'est une sirène pieuvre, calamar. Ouais. Donc celle-ci je l'accepte tout à fait. Il y a aussi, voilà, comme d'habitude j'ai mis des post-it, j'ai repéré mes pages avant, tout ça, voilà, hein. Vous avez celui-ci qui marche très bien, moi je considère que c'est une sirène avec les hippocampes, donc ça fonctionne. Vous avez quoi d'autre? Je sais qu'il y en a une autre. Voilà, celui-ci que je trouve trop beau d'ailleurs. Bon, pas celui-là, c'est un poisson, mais celui-là, ça marche. Voilà, dans le Daydreams, vous avez la superbe double page à la fin que j'aime beaucoup d'ailleurs. Elle est où? Elle n'est pas tant que ça à la fin. Bah, bien sûr, j'accepte tout à fait ce genre de page. Avec une méduse, ça marche. C'est un animal marin et ce n'est pas un poisson. Ah, voilà. Donc, moi, je pensais à cette double page-là. Pareil, ça marche. Pour moi, c'est une sirène. Donc, pour Anna Carlson, vous avez ça. Pour Johanna Basford, évidemment, si vous avez Océan perdu, eh ben, vous avez l'embarras du choix. Vous avez carrément celui-ci, donc avec les sirènes directement.
Ou sinon, voilà, vous en avez tout un tas. Donc, pas avec des poissons, mais voilà, j'accepte la méduse, j'accepte tout animal marin autre qu'un poisson, j'accepte. Les hippocampes. Bref, il y a le choix. Chez Rita Berman, alors par contre, chez Rita Berman, c'est un petit peu plus compliqué. J'ai pas son livre sur l'été, donc je pourrais pas trop vous dire s'il y a oui ou non des colos. Mais si vous avez celui-ci, c'est parfait parce qu'il n'y a pas de sirène. Mais par contre, il y a beaucoup de petits animaux marins. Donc, il y a l'embarras du choix. Par exemple, cette double page, vous avez nos amis les phoques. Moi, je suis une fan de banquise. J'adore tout ce qui est phoques, pingouins, narval et autres. J'aime trop. Voilà, bon, bien sûr, il y a tout un tas de poissons. Donc, les poissons, non. Mais il y a quand même autre chose. Il y a une double page avec... Je réfléchis en même temps parce que je me demande si c'est dans quel livre où il y a une double page avec une baleine. Là, vous avez les petites tortues trop choupinoutes. Je sais plus dans quel livre c'est où il y a, vous savez, il y a une double page avec une baleine. Je me demande si c'est pas dans un livre. Je ne sais plus. Mais bon, bref. Donc là, vous avez... chez Clara Markova, vous avez aussi beaucoup... enfin, surtout dans ces deux derniers... Non, dans ces trois derniers, vous avez des pages sur les sirènes. Donc, pareil, c'est assez simple de trouver des colos. Donc, par exemple, celui-ci qui est personnellement dans ma ligne de mire. Vous avez celui-ci. Enfin, voilà, vous en avez quand même pas mal où il y a des sirènes. Hein. Je ne vais pas tous les faire. Ensuite, chez Maria Troll, vous avez quand même aussi quelques dessins. Donc, vous en avez un avec une sirène que j'ai déjà fait. Donc, du coup, pour celui-ci, voilà, vous avez celui-là. En plus, franchement, celui-ci au crayon de couleur aquarellable, il est assez rapide. Vous avez également des pages où je crois qu'il y a des... Est-ce que c'est dans celui-là ? Je ne sais plus. C'est dans celui-là ou dans le Flora? C'est peut-être dans le Flora. Le Flora de Maria Troll aussi. Est-ce qu'il y en a... Je sais qu'il y a une page avec des animaux marins, mais j'étais en train de me demander dans quel livre c'était. Bon, je sais plus dans quel livre c'est, mais vous en avez un où vous avez des phoques. Il me semblait que c'était dans le Botanicum. Mais, enfin bref, je suis sûre qu'il y en a un où il y a des phoques. Il y a le Drumress où vous avez plusieurs dessins avec la sirène et autres. Donc voilà, je pense qu'il y a quand même de quoi faire. J'espère que ça vous inspirera. Moi, c'est le cas. Voilà. Donc je rappelle que vous avez jusqu'au lundi 22 juin, 20h, pour m'envoyer... Enfin, pour poster votre colo sur l'album du Colo Club. Et puis, si jamais, vous pouvez m'envoyer un mail. Bon, après, les mails, je ne regarde pas tous les jours. Mais si vous pouvez le faire vous-même, c'est mieux, je pense. Donc, n'hésitez pas à le faire. Vous allez sur l'onglet album, vous mettez publier, vous mettez votre photo et c'est parti. Voilà. Donc, on se retrouve très, très vite pour une prochaine vidéo. En attendant, portez-vous bien. Je vous dis à bientôt.